ce lieu d'avocat. On apprend la vie secrète, les vrais pros de la posture, où ceux qui trouvent des gourdites se tordent dans tous les sens. Un yogi vraiment très sympathique nous en explique toute la mécanique. Il dit nous allons planter le décor yogi yogi au milieu de mon tatami yogi yogi. Il s'approche de sa petite élève, elle va enfin savoir quel est ce monstre sacré qui a tant de pouvoir. Et sans hésiter elle lui dessine le chameau, la sauterelle et la grenouille. Tout sur le yoga, l'alouette, la grue, le grand geste, le croco, le demi-arc, la petite tortue, le dieu des singes, la demi-sauterelle et la colonne, je l'oublie pas, tout, je vous dirai tout sur le yoga. Des yogis, il y en a toutes les couleurs, ogé, ogé, du hata jusqu'au baki, ogé, ogé. J'en ai vu des impulsifs qui faisaient se dresser les tifs, j'en ai vu de plus agiles se faire un paquet de billes. Celui qui se mélange les crayons et qui reste de 3 heures coincé. Et y'a yogi tout propre qui vient juste d'un dogi yogi. Y'a yogi qui est plutôt comme un cochon d'un dogi yogi. Celui qui se contorsionne, celui qui se confessionne, qui fait la génuflexion, aïe l'articulation. Des yogis qui se lèvent au crépuscule et ceux qui dans le bain font les bulles. Tout, vous saurez tout sur le yoga, l'alouette, la grue, le grand geste, le croco, le demi-arc, la petite tortue, le dieu des singes, la demi-sauterelle et la colonne, je l'oublie pas. Tout, tout.